Salut à tous et bienvenue dans Pop News. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à Hazbin Hotel, la série qui cartonne sur Prime Video, et surtout à la saison 2 qui a été annoncée par sa créatrice. Après une première saison couronnée de succès sur la plateforme d'Amazon, l'annonce de la date de sortie de la saison 2 de Hazbin Hotel a apporté un vent d'optimisme chez les fans, surtout en comparaison des retards rencontrés par une autre série de Prime Video, Invincible. Et la nouvelle de la saison 2 est d'autant plus réjouissante que Hazbin Hotel, produit par A24, a déjà établi un record de visionnage mondial sur Prime Video, ce qui affirme la valeur de son attente prolongée par les fans depuis de nombreuses années. Vivienne Medrano, la créatrice de Hazbin Hotel, a récemment confirmé que les fans n'auraient pas à patienter aussi longtemps entre la première et la deuxième saison, avec une estimation d'un an et demi à deux ans seulement pour la diffusion. Cette accélération notable dans le calendrier de sortie contraste fortement avec celle d'Invincible, qui a vu sa deuxième saison arriver deux ans et demi après un début époustouflant, accompagné d'une pause frustrante en milieu de saison. Vivienne Medrano a indiqué qu'elle avait un arc narratif qu'elle voulait absolument explorer dans la saison 2. Voilà ce qu'elle dit. Le récit de Lilith est de loin celui qui m'excite le plus. Je suis tellement impatient de plonger dans cette histoire, mais c'est aussi le plus grand mystère en quelque sorte de la série. Il faut donc un peu de temps pour répondre aux questions de « Mon Dieu, elle était là ? Pourquoi elle était là ?» Et ce sont des questions auxquelles nous allons commencer à répondre petit à petit au fil des prochaines saisons, donc je suis très excité à l'idée que cela devienne le mystère à suspense de la série. Mais rassurez-vous, la saison 2 donnera définitivement plus d'éléments à ce sujet. L'approche de Hazbin Hotel promet donc une fluidité et une régularité bienvenue pour les fans, ce qui permet d'éviter aussi les écueils qui ont émaillé la diffusion d'Invincible. Le succès surprise de Hazbin Hotel repose non seulement sur un casting impressionnant et des critiques très positives, mais également sur une communauté de fans extrêmement engagés, impatients de découvrir la suite des aventures de Charlie Morningstar et de ses camarades. En réduisant l'attente entre les saisons, Hazbin Hotel maintient sa présence dans les conversations culturelles et augmente sa popularité, tout en consolidant la fidélité de son public. Cette stratégie va s'avérer cruciale pour la croissance continue de la franchise, et ça témoigne de la capacité de l'équipe de production à s'adapter à un calendrier d'animation régulier, malgré les défis inhérents à ce type de production très lourde. Évidemment, on le sait, la force de Hazbin Hotel réside non seulement dans son animation colorée et son humour unique, mais aussi dans la profondeur de ses personnages et la richesse des thématiques abordées. Chaque protagoniste, de Charlie Morningstar à Angel Dust, incarne une complexité émotionnelle remarquable, ce qui offre aux spectateurs une fenêtre sur des rédemptions personnelles, des luttes intérieures et des aspirations à une seconde chance. Cette exploration des nuances de la moralité et de la quête d'amélioration personnelle au sein de l'enfer ajoute une couche d'introspection qui distingue Hazbin Hotel des autres séries animées pour adultes. C'est donc en tissant ces fils narratifs profonds que la saison 2 promet non seulement de divertir, mais aussi de provoquer une réflexion chez son audience, ce qui va enrichir ainsi l'expérience de visionnage pour les fans. Et bien sûr, afin d'élargir son horizon créatif et de maintenir l'intérêt du public, Hazbin Hotel pourrait bénéficier de l'intégration de nouveaux talents dans son équipe de production, mais aussi au niveau du casting vocal. L'ajout de réalisateurs, scénaristes et acteurs vocaux reconnus pourrait injecter de nouvelles idées et perspectives, ce qui enrichirait le tissu narratif et visuel de la série. En plus, des collaborations avec d'autres créateurs d'animation, voire même des musiciens, pourraient offrir des épisodes spéciaux ou des clips musicaux, ce qui renforcerait ainsi l'identité unique de Hazbin Hotel et son engagement envers l'innovation. On le sait, la diversité est très présente dans Hazbin Hotel, et dans un effort continu pour refléter la diversité des spectateurs, Hazbin Hotel s'est déjà distingué par son casting inclusif et ses personnages variés. Pour la saison 2, et voire plus, approfondir cet engagement en explorant davantage de thèmes liés à la diversité, à l'inclusion et à la représentation pourrait non seulement élargir la base de fans, mais aussi encourager des conversations importantes au sein de plusieurs communautés. En abordant des sujets tels que l'acceptation de soi, les dynamiques de pouvoir et les préjugés avec sensibilité et intelligence, Hazbin Hotel peut continuer à être un espace où la créativité rencontre le progrès social. On le sait, la stratégie marketing de Hazbin Hotel a grandement bénéficié de l'engagement actif de sa communauté sur les réseaux sociaux. Et pour capitaliser sur cet élan, un accent accru sur le marketing participatif pourrait non seulement maintenir l'intérêt entre les saisons, mais aussi renforcer le lien entre la série et les fans. On peut penser par exemple à des concours de fan art, des séances de questions-réponses avec l'équipe de production, voire même des teasers interactifs qui sont autant de moyens de garder la conversation vivante autour de Hazbin Hotel. En plus, une présence accrue sur les plateformes de réseaux sociaux comme TikTok et Instagram pourrait attirer une audience encore plus jeune et plus diversifié, ce qui augmenterait ainsi la portée de la série. Mais revenons à Invincible, l'autre
autres séries de Prime Video. Malgré leurs différences, Has Been Hotel gagnerait à tirer des leçons des défis rencontrés par Invincible. La planification anticipée de la production de la saison 3 avant même la sortie de la saison 2 pourrait permettre d'éviter les critiques actuelles qui visent Invincible pour ses délais de sortie. En s'inspirant de la stratégie de Robert Kirkman pour Invincible, Has Been Hotel pourrait ainsi s'assurer un avenir stable et prometteur, tout en continuant d'améliorer la qualité de son animation et de son récit. L'approche marketing efficace et l'expansion de l'univers narratif adopté par Invincible constituent également des modèles pertinents pour Has Been Hotel. La réduction de l'attente pour la saison 2 de Has Been Hotel symbolise non seulement une évolution positive pour la série elle-même, mais également une opportunité d'apprentissage et d'adaptation par rapport aux défis rencontrés par d'autres productions animées. Avec une communauté de fans dédiée à un avenir prometteur, Has Been Hotel se prépare à poursuivre sur sa lancée triomphante, consolidant sa place dans le cœur des amateurs d'animation dans le paysage compétitif du streaming. Avec toutes ses stratégies et innovations, Has Been Hotel est bien positionné pour non seulement maintenir son statut actuel, mais aussi pour s'étendre et évoluer dans les saisons à venir. En continuant à mélanger avec brio le divertissement, l'art et les messages significatifs, tout en restant à l'écoute de sa communauté et en s'adaptant aux changements du paysage médiatique, Has Been Hotel promet de rester une pierre angulaire de l'animation pour adultes sur Prime Video. Le futur semble donc radieux pour Charlie Morningstar et ses compagnons d'infortune, alors qu'ils s'aventurent plus profondément dans les possibilités infinies de leur monde infernal, ce qui va captiver les spectateurs à chaque nouvel épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pour nous soutenir, c'est très simple, il vous suffit juste de lâcher un pouce bleu et de vous abonner si vous aimez bien ce qu'on fait. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut !